Salut à tous, salut, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars, et aujourd'hui on se retrouve, bah oui bah forcément vous avez eu la customisation hier, et aujourd'hui bien vous avez le test du tout nouveau véhicule, la ZZ, ZZ8, hein, la Ruiner ZZ8 que vous voyez juste en haut à gauche. Donc on va tester ce que ça donne en parcours. Tu la custom ou pas toi? Ouais, je l'ai custom. Alors t'en penses quoi du véhicule? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est pas bien? Alors du coup vous le voyez un petit peu mieux. Franchement, tout à l'heure j'ai fait un parcours avec et il glisse énormément. Il glisse à mort. Ouais, tu vas voir. Okay. Franchement, tu vas c'est être pas celui-là étonné. que t'as fait, j'espère. T'as pas manteau. Non, c'est pas celui-là. Ok. Alors, bon, après, c'est vrai que c'est une grosse cylindrée. Donc, oh, déjà, il tourne bien. Franchement, il tourne plutôt bien. Et du coup, c'est vrai qu'hier, vous avez pas vu à quoi il ressemblait dans le jour, quoi. Bah, du coup, voilà à quoi il ressemble. Regardez, il est vraiment beau. Moi, j'aime bien comment je l'ai custom. Après, j'ai vu qu'il y avait des gens qui l'avaient fait en jaune et tout. Donc, bon, je sais pas trop. Mais en tout cas, moi, je valide le mien fortement. Alors. Maintenant, on va voir ce qu'il donne en parcours. Parce que c'est vrai que une grosse cylindrée dans un parcours, c'est pas le top. C'est pas l'idéal. Comment? Oula. Ok. Ok. Non, ça c'est du classique chez moi. Ça, c'est, tu vois, ça, c'est comme si tu roulais sur une petite route. Voilà, au calme. T'es bien. Une petite route de campagne Une petite route de tranquille. campagne et je vois que t'es tombé. Ouais, je suis tombé, ouais. Ok, c'est bien. En plus, tu vois, c'est bien synchronisé là, je kiffe. Ok, hop, j'enregistre ma petite scène. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a deux côtés. Allez, on va à la droite. On va à la droite parce que je kiffe la droite. Et regardez, moi je suis un petit fou. C'est-à-dire que j'attends même pas le truc, j'y vais direct, quoi. Et là, hop, on peut y aller aussi également direct. Et là, on enchaîne, on a gagné du temps. Donc forcément, ça va être compliqué pour toi de me rattraper. Je vais pas te mentir que là, le temps, j'en ai gagné pas mal. Je vais essayer, fessier. Hop. Ok. Wow. Faut pas avoir peur. On va essayer de faire un perfect, les gars. Pour l'instant, on n'est pas tombé. On va essayer de faire un perfect. De pas tomber dans ce parcours. Après, je le connais pas. Je l'ai pas en taux. Donc, bon, voilà. Mais on va essayer. Ok, en haut. Ça m'a l'air d'être assez grand. Je vais essayer de bien analyser les points. Pour pas tomber. Bon, il aurait pu mettre un peu plus fin pour me faire plus hard. Parce que là, honnêtement, il a un petit peu abusé quand même. Hein. C'est un peu large, je trouve. Un peu large. Bon, après, c'est vrai que c'est un parcours. Pas non plus compliqué. Par contre, s'il y a des petites erreurs de calcul ou quoi, c'est pas de ma faute. Ok. Je suis en train d'enchaîner. T'es où? T'es exactement? T'es à quel point? 14 sur 30. Ok, bah je peux pas regarder le. Je sais pas combien sur combien, mais. Ok, 14 sur 30. Je dois être un peu plus. Je pense que je suis à 16. Je suis sur la grande truc bleu avec le petit rond violet là. Ouh la vache, je suis allé à fond ici. Ok, c'est quoi, je vais aller à fond tout le temps. Je m'en fous. Allez hop, on va à fond. On n'a pas peur les gars. Et n'oubliez pas que pour l'instant on n'est pas tombé du parcours, donc c'est un perfect. On va essayer de ne pas tomber, tu vois. Je vais essayer de ne pas tomber pour justement faire un perfection, sauf que ce soit parfait. En tout cas pour l'instant, ce que je suis en train de faire c'est bon. Attends, faut pas se porter la poisse, hein, tu vois. Hop. Attends, je chaîne bien là, c'est pas mal là. Ouais, je suis pas mal du tout. Ouais. Ok, c'est bon. En fait, des fois, j'ai peur des trucs comme ça. Oh la vache, là, il y a des sauts. Alors, faut que je sois synchronisé. Allez. Ok. Là, ça va être le moment où je peux potentiellement tomber dans ce parcours. Waouh! Ah ouais. Là, les gars. Ok, là, ça va être tendu. De la concentration. Ok. Faut bien calculer, tu vois. Ah ouais, j'ai vu. Je pense que j'étais pas trop mal. J'aurais pu enchaîner le deuxième, là, mais je vais pas prendre de risque. Oh, pof, je suis allé un peu trop tard. Ouf, j'ai eu chaud. Ok, mais bon, c'est calculé, c'est pas mal. Je sais pas, t'es où, t'es au quel point? Bah, je suis juste derrière toi, j'ai enchaîné des trucs derrière toi là. Ok. Ah, tu es en... Ah, bah, ouais. Ah ouais, tu m'as rattrapé.
Ah oui, pas mal, Ouais. pas mal. Bon, bah, essaye pas de me faire tomber parce que là, je suis en perfect. Hein. Je suis pas tombé du parcours depuis tout à l'heure. Et ça fait plaisir. Bon, par contre, il m'a l'air assez court, non? Parce que je vois le point final là-bas. Ouais. Plutôt easy même. Ah ouais, je vois le point final. Est-ce que c'est fini ou pas? On va voir. Ok. Ça, par contre, je vais pas prendre de risque parce que si je tombe là, ça me fera un peu mal, quoi. Sachant que je suis pas tombé du parcours, j'ai pas non plus envie de prendre des risques. Hein. Ok. Oula, mon véhicule l'a tourné tout seul, j'ai pas compris. Même T'es moi, là, tombé? sur la flèche. Non. Sur la flèche, failli tomber, mais non, ça va. J'ai réussi à rattraper. Bah, j'ai failli tomber aussi à la flèche. Ok. Pour l'instant, on est bon. Faut y aller en arrière, je crois. C'est en arrière. Va, Isis. Ouais, c'est en arrière. Ok. Bon, en arrière, c'est easy, hein. Je veux dire, au bout d'un moment. En arrière, en D'un avant, c'est un moment. peu simple, quoi. Alors. Non, Me non, dis pas non. que c'est fini quand même, je vous croirais pas. Je crois qu'on a fini, hein. Ah ouais? Déjà? Eh bien, c'était un 100% perfect. Hein. Je ne suis pas tombé du tout de ce parcours. Je suis chaud ou pas? T'es chaud, t'es chaud. Ouais, là, chaud. Tu vois en direct? Ah ouais, Il n'y a ça pas de va. triche. Non, y a pas de triche. Voilà, il n'y a pas de triche du tout, les gars. 100% perfect. Bah, je crois que tu as fini également. Ouais. J'arrive à la fin. Wouhou! Waouh! Alors là, honnêtement, il était. Bon, après, il n'était pas le plus compliqué. T'es tombé où, toi, exactement, en fait? Je me rappelle plus. Là, je suis tombé sur le truc en arrière et je suis tombé, tu vois, sur le conteneur où tu montes le tout premier là. Sur Après, le c'est un truc fin. conteneur. Bah, c'est là. Sur le conteneur. Sur le conteneur. Ah ouais, le conteneur au Ouais, tout le début, là. conteneur blanc là. Ouais, le blanc. D'accord, ok. Bon, en tout cas, si tu avais une petite note à donner sur le véhicule, tu mettrais combien? Est-ce que tu te conseilles aux gens de l'acheter ou pas? Moi, je donnerais 7 sur 10. Et ouais, ça peut être un bon véhicule. Moi, je l'ai acheté et franchement, je le regrette pas. Alors, c'est un bon véhicule, écoute, je rappelle le prix, parce que vous avez vu la customisation hier. Il coûte 1,3 million, mais après, c'est pas non plus un véhicule de ouf. Mais honnêtement, là, je suis assez surpris parce que franchement. Il tient plus. Bon, j'ai mis 6 minutes 47 du coup. Il tient plutôt bien la route. Ça va, je trouve qu'il dérape pas trop. Après, bon, peut-être c'est le parcours qui est bien adapté. Mais je trouve qu'il dérape pas trop. Et surtout, il y a une bonne accélération. Ça, c'est pas mal. De toute façon, en ce moment, les grosses cylindrées, elles ont pas mal de bonnes accélérations. Et franchement, honnêtement, c'est stylé de la part de Rockstar. Parce que habituellement, les grosses cylindrées, ils ont toujours des trucs un peu pas ouf du tout. Mais là, pour le coup. C'est pas mal, c'est bien. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Abonnez-vous, pouce bleu. Et puis, un petit mot à dire pour la fin ou pas? Moi, Ouais. rien de spécial, t'es chaud, c'est tout. Voilà, rien de spécial. Rien de spécial.